Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis à la boulangerie Mbourou et je suis accompagnée de Isse Diop Saro, qui est la fondatrice du réseau Mbourou et qui va se présenter dans un premier temps et ensuite nous parler de cette marque que personnellement j'affectionne parce que, premièrement, les produits sont super bons. Ça, c'est la base de tout business. Hein. Si vous lancez un business, il faut quand même que, hein, on puisse manger correctement. C'est ça. Et en plus, les valeurs que porte l'entreprise correspondent tout à fait à ma vision et tu vas nous en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, bienvenue. Merci. Je te laisse te présenter. Ben, welcome, bienvenue d'Alain Agam au niveau fait, du réseau Mbourou. Alors, en effet, mon nom est Isse Diop Saro et je suis au fait la promotrice du réseau Mbourou. Ici, vous êtes sur la boutique de Ngaparou qui est la première boutique qu'on a ouverte en 2020, avril 2020, en plein Covid. Et donc, durant en fait cette période-là, c'est là où nous avons ouvert cette boutique-là, qui comprend en fait une boutique, un site de production derrière, ainsi que vous avez en fait des bureaux maintenant. Bon, on s'est étendu au petit à petit. Voilà, donc voici le réseau Mbourou, qui se caractérise par la commercialisation de pain et de pâtisserie à base de céréales locales. Donc, quand on parle de céréales locales, c'est le mil, le maïs, le bissap, le bouillie, etc. Voilà. Donc 2020, ça veut dire que tu as ouvert pendant la crise du Covid. En plein dedans. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des produits locaux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais pertinent, puisque avec la crise, la guerre en Ukraine, tout à fait. On voit que tu as été visionnaire en fait à l'époque. Je pense que ce n'était pas forcément la tendance de l'époque, mais toi, tu t'es dit... pourquoi pas valoriser les produits de chez nous qui sont meilleurs pour notre santé, qui permettent aussi de valoriser la chaîne agricole du pays. Et en plus, avec un aspect social, puisque tu permets à une vingtaine ou plus, peut-être même, de femmes d'avoir leur propre business à proximité dans les quartiers. Alors, c'est assez... ça a coïncidé avec le Covid. Moi, j'ai fait un changement de carrière. J'ai décidé en 2019 de faire un changement de carrière parce que je n'étais pas dans le monde de la boulangerie-pâtisserie. Ouais. J'ai switché tout simplement parce qu'à un moment donné, on se pose des bonnes questions par rapport à nous, nos aptitudes, par rapport à ce qu'on veut faire. Et moi, j'étais dans le milieu au fait, de l'enseignement supérieur et donc j'ai voulu switcher pour de la boulangerie-pâtisserie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis une yomine, c'est-à-dire que j'adore le pain. Ouais. Et je voulais faire une boulangerie-pâtisserie. Alors que pourtant, en fait, j'ai un background beaucoup plus scientifique, avec des papiers scientifiques voilà, de recherche que je faisais dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'étais dans l'enseignement supérieur. Donc, vouloir faire une conversion déjà en Afrique, c'est très compliqué parce qu'il faut convaincre les parents. Bon, moi, mon conjoint, mon mari était très ouvert, hein, de toute façon, et c'est lui qui a vraiment poussé. Okay. Du coup, quand on a fait la conversion en 2019, on a créé la société en décembre 2019 et j'ai commencé à chercher un local. J'ai finalisé avec ce local-là en février. Okay. Donc, le but, c'était pas de faire juste une boulangerie où on prend la baguette et on sort. Ouais. Si c'est ça, c'est vraiment très traditionnel. C'est pas, y a pas de plus-value, en fait. Voilà. Okay. Donc, déjà, j'ai toujours voulu évoluer dans le milieu de l'automatisation des femmes, ONU Femmes, etc. Quand je suis rentrée au Sénégal il y a 10 ans, je voulais travailler pour ONU Femmes. Et donc, c'était vraiment pouvoir essayer de raccorder l'autonomisation des femmes lorsqu'on est en région avec peut-être le milieu de la boulangerie. Ce qui est facile parce qu'on sait au fait que dans chaque coin de rue, on a des femmes qui vendent des petits déjeuners donc, dans les quartiers. Donc, comment faire un connecting the dots entre la chaîne de valeur, donc tout ce qui est produit en termes de maïs, de mil, etc. au Sénégal, l'introduire dans les produits qu'on consomme tous les jours, donc que ce soit le mil, le maïs, le sorgho ou d'autres produits, le bissap ou le bouillie, le faire en boulangerie-pâtisserie, des produits consommés tous les jours par tous les Sénégalais. Ouais. Et pouvoir le véhiculer dans un circuit de commercialisation aussi, qui soit intelligent. Quand je dis intelligent, c'est que ces dames-là, elles sont dans les corners. Elles n'ont pas nécessairement en fait, des systèmes de financement de leur table. Donc, on a pu contractualiser justement avec des partenaires comme la GIZ, la coopération allemande et d'autres, le PNUD, les Nations Unies,
pour pouvoir mettre un système de kiosque. Et là, maintenant, en fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le réseau est né. Super, c'est une très belle marque. Effectivement, tous les produits que tu viens de parler, dont le pain, sont super bons. Et oui, moi j'habite à la Somme et je vois les kiosques et ça permet vraiment d'avoir de la boulangerie à proximité sans avoir besoin de venir jusqu'ici à Ngaparu. C'est ça. Du coup, la marque cartonne, puisque depuis un an, tu as aussi une boulangerie à Dakar, au point E. C'est ça. Donc ça ne fait que confirmer l'engouement qu'on a pour ce type de marque qui prône des valeurs qui nous correspondent et qui sont en phase avec les besoins du pays aussi. Ça, je trouve que c'est super important. Alors du coup, bon, le processus, hein, rapidement, c'est que 2022, tu as décidé de lancer un concept de franchise de la boulangerie Mburu. C'est ça. Alors nous, ce qu'on a, le statut en ce moment, c'est qu'on a deux grosses boutiques avec des centrales de prod. Ok. Une à Ngaparu, une à Dakar. On a également des petits points de vente. Donc, sur la zone de Ngaparu, on en a 17. Sur Dakar, on en a 4 pour l'instant. Donc, ça vous fait au fait à peu près 23-24 points de vente qui sont disponibles, qui sont en fait des points de vente qui opèrent déjà au quotidien. Ouais. Donc, on top of it, on sait qu'on a des opportunités. Donc, on a des opportunités d'extension dans la zone de Dakar, banlieue. On est déjà sur le train express, le TER, et il y a d'autres opportunités également qui s'ouvrent en fait à l'expansion de ce réseau-là. Et quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, on voit en fait que justement, on a des personnes qui ont toujours eu vocation d'ouvrir un business, d'avoir évolué dans ce domaine-là, et on se dit pourquoi ne pas en fait investir dans ça. Donc le concept de franchise est très porteur pour moi. Nous, déjà, ce qu'on fait dans le milieu informel, c'est des franchises informelles. Ouais. Les dames, c'est comment elles travaillent au quotidien, c'est ça. Et du coup, maintenant, si on le fait dans un milieu formel, ce sera encore plus porteur de pouvoir le structurer justement avec les points de vente. Alors moi, je trouve ça génial déjà le concept de franchise pour développer son business, pour développer sa marque. Et ce qui m'intéresse particulièrement par rapport à la communauté, aux personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube, c'est que beaucoup font partie de la diaspora. Donc, comme toi, tu es rentré il y a 10 ans au pays. Ouais. Beaucoup souhaitent rentrer. Mais pour rentrer, il faut avoir des conditions. Il faut avoir un logement, un toit sur la tête pour sa famille et pour soi, une école, une bonne école pour ses enfants et des revenus. Ouais. Et quand tu m'as parlé de ce concept, je me suis dit, mais ça, c'est génial pour la diaspora parce que ça veut dire que tu peux arriver au pays et même démarrer en étant à distance. Tu vas nous expliquer comment. Avec une entreprise qui a déjà un fonctionnement avec, tu dis, un 25 ou une trentaine de points de vente, donc qui fonctionne, une marque qui est déjà implantée et bien imposée. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une opportunité à saisir pour les gens qui veulent venir et qui veulent entreprendre au pays. Une marque qui cartonne, avec des belles valeurs. Que demande le peuple ? Ouais. Tout à fait. Franchement. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut savoir que ce soit le Sénégal comme l'Afrique, hein. Je ne vais pas parler juste du Sénégal, parce qu'on a le continent africain, énormément de potentiel en termes de business. Nous qui avons été à l'extérieur, on a notre pierre à poser à l'édifice. Entièrement d'accord. Et à beaucoup de terres vierges à défricher justement, et vraiment have fun doing it. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous, quand on a ouvert, on s'est dit, mais vraiment très banal, ils ouvrent une boulangerie. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va voilà, vraiment faire basculer le système? Mais comme j'ai dit, il y a énormément de choses qu'on peut apporter au système. Nous, on est la première peut-être à être beaucoup sur les réseaux sociaux, à avoir cette tendance corporate avec des brochures, à pouvoir faire des partnerships avec des partenaires internationaux. Ouais. Donc ça, c'est une vision corporate et très professionnalisée au fait du métier qu'on voyait comme un métier traditionnel où vraiment c'est venir juste prendre la baguette et partir. Créer un storytelling derrière, c'est extrêmement important en fait de pouvoir communiquer au fait sur ces marques-là et pouvoir justement avoir une assise de marque africaine forte. Où les gens puissent se rallier au fait à ça. Ouais, donc il y a toute une conceptualisation en fait qui n'existait pas peut-être derrière
les boutiques ou les commerces de ce genre-là avant. Mm-hmm. Et donc oui, sur ce plan-là, on est assez précurseur parce que tout de suite, on s'est ancré dans un ADN très africain. Ouais. On s'est revendiqué au fait dans cet ADN très africain également. Et ça fait au fait que justement, c'est extrêmement important de pouvoir faire ce chassé-croisé. Et la diaspora a beaucoup à amener chez nous. Ouais. On a été à l'extérieur, on a une méthodologie très carrée à l'extérieur avec des tableaux de bord, très ancrés. On sait où mettre nos sous, comment les mettre. Il faut faire un monitoring pour ça. Et pour moi, en fait, ce serait intéressant de pouvoir lier les deux et grandir intelligemment. Quand on dit grandir intelligemment, c'est que chacun peut, au fait, justement, s'épanouir. Mais au fait, tout est dans un cadre et dans un environnement vraiment qui permet vraiment la performance. Alors, du coup, parle-nous de la franchise. Ouais. Comment ça se passe si je souhaite intégrer le réseau Mburu en tant que franchisé? Alors, il faut d'abord déjà aller en ligne pour un peu plus comprendre comment on fonctionne. On a un site internet qui fonctionne très bien, qui donne des informations assez générales par rapport à nos produits, par rapport à notre mode d'organisation, donc un peu apprendre à nous connaître. Donc, découvrir l'univers là. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Ouais. Virtuellement, maintenant, tout se fait. Ouais. Et puis, aller, il y a un formulaire justement qui est disponible en ligne pour pouvoir justement le remplir, pour qu'on puisse au fait faire les études de candidature par rapport au fait aux opportunités. Oui. Et dès que votre dossier au fait est intégré au niveau de la plateforme, là en fait on fait l'étude de dossier et on vous rappelle si justement le dossier est significativement attractif de manière, parce qu'il faut également, on est très carré dans notre mode de fonctionnement, il faut que la personne soit prête mentalement, physiquement, et soit vraiment dans un esprit nord-américain on the go. Okay. Et très carré également dans son fonctionnement. Donc, parce que nous aussi, on l'est. Oui. Et donc, c'est important également que la personne soit vraiment there. Il faut qu'il y ait le mindset de l'entrepreneur soit là. Carrément. C'est-à-dire que là, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. Exactement. On parle d'investissement. Exactement. Que ce soit financier ou que ce soit en termes de ressources humaines. C'est donc, ça. Il faut vraiment se dire que je vais intégrer ce réseau pour apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que le réseau va m'accompagner, d'accord ? Mais le but, c'est d'être autonome, de faire du chiffre et d'aider la marque à se développer. C'est donc vraiment, c'est important d'insister là-dessus. Important. Quand vous allez remplir le dossier de candidature, remplissez-le si vous savez que derrière, vous avez les moyens d'assumer une telle responsabilité. C'est ça. D'accord ? Parce que, bon, il y a un droit d'entrée pour la franchise et il y a aussi des investissements à faire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour le droit d'entrée, ça dépend en fait des sites. Mm-hmm. Ça dépend des différents sites que vous avez. Vous avez au fait des sites où, au fait, en termes de disponibilité, ça peut être des stations-service. Ça peut être également, en fait, on a des spots également qui sont libres sur le TER. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la motivation, c'est une. Les ressources également, c'est de deux. Oui. Et également le mindset extrêmement important de pouvoir justement englober ces trois points-là. Alors, juste, j'ai une question, mais une précision. À partir de combien le droit d'entrée, parce que je sais que ça va être une des premières questions. Bien sûr. À partir de combien on peut espérer intégrer la filière? À peu près, ça dépend des points de vente. Ouais. Donc, les tickets d'entrée ne sont pas très chers, sachant que à l'étranger, c'est autre chose. Oui. Donc ici, au fait, en termes de droit d'entrée, vous êtes entre 2 millions et 3 millions. Ouais, selon, en fait, selon les différents sites au fait, qui sont ciblés, sachant que ce sont des sites également très, très, très stratégiques. Oui. Ensuite, il faudra compter le coût de l'investissement. Oui. Donc, c'est-à-dire s'il y a des équipements achetés pour habiller le point de vente, la décoration, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Et le branding, voilà. Donc, ça, il faudra, en fait, une enveloppe en plus. Après, on encourage toujours, en fait, toujours un estimé auprès du franchisé pour dire, gardez également telle somme pour votre BFR, vos besoins, en fait, en fonds de roulement, afin, en fait, de pouvoir pallier, justement, à certaines variations à la fin du mois. OK. D'accord. Donc ça, c'est sécurisé dans le compte bancaire, en fait, du franchisé. Donc, à peu près, c'est ça notre mode de fonctionnement. D'accord, très bien. Bon, ça reste vraiment accessible. Ouais.
vu le potentiel en fait de la marque. Tout à fait. Et pour les personnes qui sont à l'extérieur, alors il y en a qui vont se dire, ok, mais moi je suis intéressée, mais je ne suis pas sur place. Est-ce que c'est possible d'intégrer le réseau en étant à l'étranger? Bien sûr. Alors nous déjà, on est composé par une équipe très hétéroclite. Hein. On a des personnes au fait de HQ qui sont voilà, en Angleterre comme à Madrid. Voilà, et on travaille tous les jours ensemble. Donc avec maintenant la technologie, plus rien en fait, on n'a pas vraiment de barrière. Okay. Donc comment on va s'organiser? Il y a un système de tableau de bord où le franchisé pourra voir, faire un tracking au fait de son chiffre d'affaires et voir tous les jours par rapport au budget, est-ce que c'est on ou off, donc par rapport au budget, et pouvoir justement faire des réajustements avec son équipe sur place. Ok, super. Donc, vous voyez, vous avez l'opportunité de préparer votre retour au pays en saisissant une opportunité telle que celle-ci, c'est-à-dire en intégrant un business qui fonctionne déjà. Bien sûr que vous allez y mettre aussi du vôtre pour que ça continue de fonctionner et pour le développer. Important, mais vraiment, c'est... Moi, franchement, si j'avais eu une telle opportunité à l'époque, je pense que ça m'aurait vraiment facilité. Donc, je vous encourage à aller voir ce qui se passe sur le site internet. Si vous avez les deux conditions, hein, le mindset de l'entrepreneur et un peu de sous à investir, parce que voilà, dès le départ, il va falloir être prêt dès que vous allez postuler. Hein, ça peut aller quand même assez vite. Vous pouvez regarder le site internet comme vous l'a conseillé Isse. Si vous êtes sur place, vous pouvez venir soit à Ngaparu, soit à Dakar aussi pour vous rendre compte de l'univers du réseau Mburu. Et donc, vous allez postuler en ligne. Moi, j'encourage vraiment la marque Mburu. J'aime beaucoup cette marque. Merci. Ça nous permet de consommer africain. D'accord. On n'est pas tous entrepreneurs, mais on peut tous consommer africain. C'est aussi comme ça qu'on développe notre continent. Et je vais laisser le mot de la fin à Isse et pour que tu puisses donner des conseils à toutes les personnes qui ont envie de venir, mais qui n'osent pas pour X ou Y raison. D'accord. Donc, le conseil est très simple. Osez, qui ne risque rien à rien. C'est très challenging d'être à l'extérieur, de ne pas savoir, de ne pas avoir de visibilité au fait auprès de, des tenants et des aboutissants hein, qui sont reliés au retour. Mais c'est extrêmement important de pouvoir le faire parce qu'il n'y a rien de mieux que chez soi. Ouais. Ça, c'est de un. Ouais. De deux, au fait, beaucoup d'opportunités, comme j'ai dit, au niveau de nos pays. On a capitalisé au fait une certaine expérience à l'étranger qui vaudrait au fait de l'or ici. Et ce serait important en fait de pouvoir développer ça. Et le dernier, peut-être la dernière phrase que je lancerai, c'est vraiment qu'il est extrêmement important en fait de pouvoir traduire sa passion en son métier, voilà, parce que c'est le drive, hein, c'est ce qui nous anime au quotidien. Et si on arrive à le faire chez soi, que demande le peuple? C'est clair, voilà. c'est clair, c'est royal. Voilà. Et il y a une chose que tu avais dit tout à l'heure qui était importante. Toi, tu dis tu es rentrée il y a 10 ans et tu te rends compte, en fait, au fil du temps, tu disais rentrez vite, n'attendez pas longtemps parce qu'au fil du temps, tu sens que les opportunités, elles seront moins faciles à saisir. Tout à fait. Là, moi, j'ai assisté en 10 ans à énormément d'évolutions. Oui. Déjà, quand je suis arrivée, l'autoroute n'était pas là. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, l'autoroute a été inaugurée, je pense, un an après, voilà, petit à petit, par tronçon. Ouais. Maintenant, en fait, on a l'habitude de prendre cette autoroute-là. On a le train express. L'aéroport de Diamina Diop est ouvert, les terrains deviennent extrêmement chers, les opportunités deviennent beaucoup plus complexes aussi. La situation économique fait que il faut vraiment se battre un peu plus pour grignoter au fait sa part de marché. Donc ne rentrez pas trop tard, parce que si vous le faites trop tardivement aussi, vous allez rater des opportunités derrière. Et ce serait dommage. Oui. Merci, ça c'était important de revenir là-dessus. C'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes à travers le réseau Mburu. Ouais. J'espère que les gens comprendront et se saisiront de cette opportunité. Tout à fait. Et bah, nous, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet. Inscrivez-vous sur la newsletter et bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications. C'est ça. À bientôt. Merci, au revoir.